Histoire de rire, faut vous dire ce qu'on mange à bord de la Jeanne d'Arc. Chaque repas, je vous l'assure, y a vraiment de quoi faire ceinture. Quand on pense que même en France, on se demande dès le départ qu'est-ce qu'ils vont devenir plus tard, les marins de la Jeanne d'Arc. Le maître comique est un brave homme, ça semble de l'eau, ça semble de l'eau, le café qui donne. Le chou pourri et la morue, c'est bon à foutre dans la rue. Quand y a du ratat misère, tellement que ça pue les pommes de terre. À vrai dire, crénom d'un chien, l'équipage crève de faim. Un confrère, fort colère, s'écria un beau midi. Comment que ça se fait, je me demande? Dans mon ratat, y'a pas de viande. On la saute, on la sursaute, je vais me plaindre au maître commis. Savez-vous ce qu'il répondit? Je la saute moi aussi. Sa figure est de bonne augure. Il mange des poux, il mange des poulets, je vous assure. Ça se devine à sa binette qui doit bien se taper la tête. Que lui importe l'équipage, qui n'ont qu'un petit bout de fromage, ou bien quelque chose de mal cuit. Lui, son ventre ne fait pas de pli. Cette affaire n'est pas claire pour notre bon maître commis. S'il se paye des imperméables, c'est avec l'argent notable. Il se réserve les conserves, manière à faire du boni. Qu'il assoie d'enfiler chez lui pour quand son service sera fini. Avec sa retraite et ses rentes, que son épouse sera contente. Il ira pour se distraire, se promener sur la canebière. Il aura de l'argent des frusques, une petite automobile de lusque. Il ne se prive de rien avec l'argent de Jean le Goin. Il ne se prive de rien avec l'argent de Jean le Goin. Je tape du pied tout le long. Hein. Mais c'est pas grave. Vincent, t'es vraiment proche du micro, toi. Tu maîtrises à donf. Ah ouais, moi je suis à donf, quoi.